Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous tous, bienvenue sur Bombard TV. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Je dis à nous pas développer deux points pour vous dans l'information. Mais avant nous faire ça, nous voulons remercier tout le monde qui est toujours branché Bombard TV pour l'information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous. Tant que c'est Miss Célestin, Wiskenson Guillaume, Magali Metelis avec plaisir l'autre. Équipe Bombard TV, nous apprécions ça. Et si c'est premier fois visiter nous, information nous partageons intéressé. Pas oublier abonner avec Bombard TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo dans Bombard Police que vous recevez l'information sans problème. Nous pas perdre du temps, nous déroulons avec information. Yo, en ouais. Une délégation direction nationale de l'eau potable et assainissement dirait pas visiter plusieurs sections communales à commune dans le département centre la Tibonite sorti jeudi 12 pour arriver samedi 14 mars qui sont passé là. Visite ça fait dans l'idée pour arriver garder dans qui niveau travail pour installer système de l'eau potable dans commune ça avancé. Quand il y a boulé infrastructure dans la capitale là pour le prince, Moun Jacques Mel même y a construit. Fondation Eric Jean-Baptiste présenté lundi 16 mars là, maquette avec plan construction l'école droit dans Jacques Mel là. Et puis poser premier roche pour démarrer avec travail yo, et cérémonie ça t'est déroulé en présence l'État avec plusieurs diverses autorités locales dans Jacques Mel. Ces informations ça nous porter pour pendant y a boulé dans la capitale là, Moun Jacques Mel a construit. Et bien nous pas perdre temps, n'a commencé couler à Ayo cap réalisé dans plusieurs sections communales, commune Saint-Marc, Hench, Las Caubas et Imbalé, presque arrivé dans Boutio. Malgré travail Sayo a continué avancer, ça pas empêché habitants section communale Sayo commencer à joindre l'eau pour fonctionner. Il n'est pas fait des marches pour côté UNICEF avec ONG et Oxfam qui est souterrain en tout, qui nous arrivé à joindre le projet tout ça qui a atterri à travers l'année qui s'est passée, l'année 2018. C'est pas qui vient en pile vie avec mon Borisia parce que c'est une rivière, il est à bois. Et si tout le moment choléra, c'est côté nous enregistré en pile monde qui était attrapé choléra par rapport avec l'eau à bois. Et avec le travail ça, longtemps mon mieux qu'on a bret l'eau, rivière, de source, pas traité. Qui n'est pas traité. Mais pour nous y a là, nous rassurer que chaque jour l'eau a été traité, côté que mon mieux capable de brûler sans problème. Si tu as gagné, il parlé des cas typhoïdes. Mais nous pas arrêter pour essayer de l'eau qui va aller parce que l'eau est traitée qu'on y a. Et ceci, l'aide doit arriver dans le réservoir, c'est l'ESA, nous fait distribution par tout le monde, mais depuis là, dans le système de chloration, il est tout traité pour aller à la caillou. N'a pas dit pas merci tout, parce que le président Jovenel nous voit tout. Merci, merci, merci parce que nous dans une mauvaise situation. Nous dans une mauvaise situation pour l'eau, pour l'eau, pour l'eau, pour retirer nous dans la situation de l'eau. Je félicite Direpa en tout. La caille de l'eau, population de l'eau, communauté agricole. Travail ça y est pour permettre direction nationale de l'eau potable et assainissement bail service à plus de 36 000 habitants d'après directeur général Direpa, Guito Edouard, qui souhaitait gouvernement et partenaires qui ont l'habitude de collaborer avec Direpa continuer à supporter l'institution pour permettre plus de monde dans le milieu rural joindre l'eau potable pour y fonctionner. Il est nécessaire pour nous bien apprécier l'effort, j'effort que UNICEF, j'effort que pays ami, plus particulièrement le gouvernement canadien a fait, bon côté Dinepa, bon côté gouvernement central là qui vient à la tête. D'abord, son excellence Jovenel Moïse et ensuite actuel premier ministre que nous avons là, l'ingénieur Joseph Jout qui toujours a accompagné nous. Et son occasion encore pour moi, saluer lui, pour me dire, pas oublier Dinepa, pas oublier Ilavache, pas oublier Petit Tout-Denis, pas oublier Ansavo, et parmi d'autres zones que Dinepa va l'obliger à adresser à pouvoir central là pour être capable de réaliser de petits projets à impact rapide et durable. Projet Sayo qui pas loin fini, joint bourrade l'agent, pays Canada, Japon et Fonds Nations Unies pour Timoun, UNICEF. Jacques Melien, qui va mettre main, qui vous voit une belle image par le pays, pour nous montrer lorsque les Haïtiens collectent ensemble, et nous avons pesé le wash là pour nous faire 100 sortir là dans l'année. Dans le nom de la Fondation Jean-Baptiste, dans le nom de tout progressiste, nationaliste, démocrate, qui a mis main, nous faisons merci.
7. 7e coupe moitié là. Jalala démarré. Vaïssa. Travail sous l'île. Nous avons gardé ensemble avec eux, c'est un espace de jeu, c'est un terrain de football. Comment tout parfois est capable d'aller au profit de la communauté, au profit des jeunes qui sont ici. Eh bien, nous pensons que l'école de droit, toute une fois établie ici, c'est une sorte de développement pour la zone. La zone plus évoluée. Et puis, pour le ici autour, normalement, c'est une façon que la zone vraiment, de jour en jour, la continuer à parler. Plus de lits, parce que tout près de lui-même, tout nous va gagner pour supérer des comptes qui prennent dans la zone là, eh bien nous sommes capables de dire développement et que nous avons besoin de plus d'investissement, plus pour qu'ils comprennent la zone là pour nous venir investir. C'est pas seulement satisfaction, c'est un rêve qui, je dis, nous sommes capables de dire qu'il commence en réalité. Eh bien, plus gros satisfaction nous, plus gros contentement nous, ces jours nous avons que le local ça l'a inauguré et nous avons vraiment étudiants qui ont entré. Et même ça qui a gouverné la troisième année, deuxième année, capable de sentir des étudiants sortants. Mais c'est vraiment un local qui va rester pour des générations, en génération, et à continuer à parler de tout le monde qui contribue, de Eric Jean-Baptiste de La Fontaine et autres. Et ça fait nous dire chaque monde, l'on a investi, investi dans la société, dans la jeunesse, dans l'éducation, dans le progrès, pour ça que ça nous fait être toujours éternel. À quel niveau c'est section Bacabouche. Avait dit que normalement nous avons 11 sections communales sous Jacques Mel, et bien vraiment c'est dans la section communale de Bacabouche. Vous avez développé l'université dans le temps. Il s'agit seulement à partir des dons publics. Ce geste, servir d'exemple à d'autres scènes. La construction de l'école des droits de chacun pourrait améliorer le destin et permettre d'autres d'en profiter pleinement. Ce qui nous permettra d'avoir des huissiers, des greffiers, notaires, juges et avocats compétents et respectés. Mesdames et messieurs, je vous avoue que le geste de M. Jean-Baptiste m'a servi d'incitation. D'ailleurs, c'est dans la prénom que j'ai décidé, en tant que chaque pilier, de mettre un repris de notre guerre et de mer à la disposition de ce patrimoine ayant formé pour cette génération. J'ai dû affronter les trois-quatre esprits de politiciens généreux et autocrates incapables de prioriser les biens supérieurs de la communauté. Honnêtement, je me suis toujours mis à l'écart de cette course que la visibilité m'a fabriqué de la politique de chez nous. Comme vous le savez, je suis dans le cas. Le politicien pense à la prochaine élection, l'homme d'État à la prochaine génération. Que ceux-mêmes deviennent avec évidence pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci, ce sont vos questions. C'est le droit et des sciences économiques à chaque même. Comme on a déjà entendu et avec les auditions, nous savons que le DNF technique a été en faveur de M. Villafontant et la Fondation Éric Jean-Baptiste a mis sur pied une équipe technique avec une mission travailler sur les études pour ce projet. Une présentation détaillée afin que vous puissiez avoir une idée générale de ce que nous projetons pour l'Université d'État d'Haïti. Nationale, donc vous pouvez voir ici la route nationale qui passe en direction de Rémy-Lévin. Le terrain est à peu près à 10 minutes de marche et je n'ai un peu sur la côté de l'an, c'est 30 centièmes de terrain. Quand on dit 30 centièmes de terrain, pour nous qui ne sommes pas familiers, si nous ne prenons pas un projet. Mais nous, on est un bâtiment qui est prestigieux. Si nous revenons le palais national,
mais pas si on parle national là, nous allons détenir ça 5 ans en dedans. Donc juste pour avoir une idée de la superficie du terrain que nous avons. Donc, avec le terrain, avec l'équipe et aussi le décanat, qui m'a offert un programme très repris avec des espaces qui vont juger nécessaires pour le projet. Et nous avons découvert un programme beaucoup plus détaillé. Dans ce programme, nous avons un auditorium, une cafétéria, on a ajouté une librairie qui peut servir non seulement aux étudiants de la faculté de droit, mais aussi à la vie de chacun, à la population, aux enfants, aux parents qui aimeraient acheter des cahiers et des livres pour leurs enfants, appréhendant dans une approche de l'action. Sans ces plans, vous pouvez voir sur la maquette, malheureusement, les qui sont là, qui sont ces plans, une bonne partie de la largeur du terrain. Donc, il est assez proche de l'isière, laissant de l'espace pour la circulation et verdure, parce que le terrain n'est pas cadré par ce que nous voulons faire, mais le terrain, ce n'est pas un terrain que nous avons planté jardin la donne, nous avons faire un paquet différents bâtiments. Là, vous avez une vue du bâtiment de l'entrée. Donc, à l'entrée, vous pouvez voir l'idée qui vient de l'inspiration. Donc, nous avons là, c'est comme si des livres qui ont passé, on écrit ancré, qui parlent, livres qui ont passé, on a côté pour arriver, pour camper. Et là aussi, on a un livre qui campe. Pour vous promener un petit peu, dans le projet, là nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Là, c'est la route qui mène au bâtiment. L'entrée, nous avons deux entrées. Une entrée principale qui est une entrée pour les voitures et les motos, et aussi une entrée piétonne, côté que l'on trouve le trait de l'un et l'autre de Hondérite pour sécurité. Voici aujourd'hui réunis dans l'espace convivial de Collins Hôtel de Jacmel. Pour vous présenter le plan et la maquette qu'on vient de faire avec brio l'architecte Jacques-Louise Fleurant, pour vous présenter le plan et la maquette du prochain bâtiment devant loger la faculté de droit de cette ville. Présentation qui s'accompagnera de la signature d'un contrat de 5 millions de gourdes avec la firme de construction Altecha et de la pose de la première pierre de ce chantier. Initiative portée financièrement par les membres de la société civile de Jacmel. C'est important, c'est très important, car c'est nous-mêmes qui, ensemble, qui allons mettre les mains pour nous réaliser. Je vous disais tantôt, initiative portée financièrement par les membres de la société civile de Jacmel, par les responsables et professeurs de la faculté de droit de cette ville, et naturellement par Père Éternel Loto qui hier a fêté ses 30 ans, ça fait 30 ans depuis que nous existons, la faculté va en avoir 39 bientôt. Et c'est pour nous, après l'éternel Loto, un honneur et un plaisir, après 30 ans, de pouvoir contribuer à œuvre qui vaille, et naturellement, par la Fondation Éric Jean-Baptiste. Au-delà du symbolisme de cette cérémonie, il nous faut souligner, d'entrée de jeu, la dimension hautement patriotique de cette initiative, qui magnifie le nécessaire partenariat privé-public dans l'œuvre de construction de l'avenir du pays et par conséquent de la jeunesse des générations montantes. Nous prenons à cœur les problèmes de notre pays et sommes particulièrement sensible à cette défiance qui frappe notre société. Aussi, sommes-nous plus que convaincus que
que la régénération du pays, de la société, doit passer avant tout par l'encadrement, la formation, l'éducation de nos filles et fils. Remettre les institutions d'enseignement public sur leurs rails, renforcer les centres universitaires publics, c'est redonner confiance et espoir aux jeunes. C'est prouver qu'il y a dans ce pays des nationaux, des patriotes, des progressistes qui travaillent inlassablement pour la survie de notre société et du coup pour conjurer son effondrement. Construire les bâtiments modernes devant nous la faculté de droit de Chapelle est un premier pas vers d'autres initiatives du même genre dans d'autres départements ou régions du pays pour exprimer notre vision programmatique pour les jeunes que nous devons affranchir de l'ignorance, de l'oisiveté, de la misère, de la violence et auxquels nous devons donner le goût affiné du travail et inculquer les valeurs morales et spirituelles. Notre participation à cette œuvre résulte de notre engagement citoyen et patriotique d'homme d'affaires, d'entrepreneur conscient, de retourner au pays ce qu'il nous a donné. En parlant d'entrepreneur conscient, ça retourner par le pays, ça pays à Bali. Remercie que nous invitons l'autre monde, monsieur que vous comprenez l'entrepreneur conscient, il m'a choisi une journée de la parce que l'histoire rapportée que gagnait la famille Caroline, c'est comme eux qui étaient émergés pendant plus d'une vingtaine d'années de manière gratuite l'école de droit de Jacmel. Et je dis là, monsieur Benjamin, nous continuons à faire pour dans la ville là. En plus, vite, et nous devons vivre du commerce comme ça.
nos appels. Ce que nous venons de faire, venons d'autoriser à lancer ce matin à l'intention de tous les citoyens et citoyennes, femmes et hommes, de bonne volonté, de bonne foi et de bon commerce pour sauver notre pays. Haïti a dépassé la commune d'un pays. Mais pays à nouveau, bel pays, c'est pas l'hiver pour qu'on parle. Le déterminer chacun qui est capable de mettre pour nous sauver les Israéliens. Permettez-moi quitter nous avec le grand cri de rassemblement et de ralliement. Ensemble, ensemble, ensemble. Thank you.